Yo les gars, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 sur la map Yémen en point stratégique. J'étais en ligue en 4v4 donc. Je jouais avec Super As et Tirax, donc dédicace à vous deux les mecs. Au passage, Super As fait partie de la Super, donc une team kill feed. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il fait des montages, voilà, des trucs comme ça. Après, Tirax aussi est un kill feeder. Donc je sais pas si t'as une chaîne, par contre, Tirax, faudra que je te demande au passage. Donc je mettrai les liens des chaînes dans la description, donc voilà. Donc dans cette partie, je joue à la M8, hein, viseur réflexe, crosse, poignée ergonomique, B23 en arme secondaire, la paralysante, en atout, poids léger, robustesse, dextérité, et en... Merde, en... Putain, je m'embrouille là. paralysante, je sais plus si je l'ai dit. Et voilà. Donc dans cette vidéo, je vais parler de quelques sujets que vous m'aviez dit là dans la dernière vidéo. J'avais parlé de quelques sujets déjà, mais j'avais pas fini de tout évoquer. Donc aujourd'hui, on va parler de la communauté PS3 et Xbox. Donc la communauté PS3, donc on va parler sur à peu près tous les codes. Donc la communauté PS3 sur Call of Duty 4, vu que j'ai que Call of Duty 4, enfin c'est le premier Call of que j'ai. Donc sur code 4 PS3, ça va, franchement, elle est bonne la communauté. Merde. C'est quoi le jeu après déjà? Putain, je me suis embrouillé. World at War, voilà. World at War, c'est bien aussi. M2E2, par contre, je vous déconseille d'y aller parce que c'est vraiment de la merde. Surtout sur PS3. Par contre, sur Xbox, vous pouvez y aller. C'est de la buena, c'est bueno. Parce que sur PS3, si vous voulez, il n'y a que des hacks. Donc, c'est pour ça que c'est un peu chiant. Enfin, le jeu est un peu pourri par le hack. C'est vraiment dommage. Là, au passage, je suis mort comme un bolos. Après Black Ops 1, la communauté parfaite. Même si des fois, comme je vous dis, il y a des hacks, comme sur MW3 aussi par exemple, Black Ops 1, MW3, il y a des hacks d'invisibilité là, invincibilité aussi. Ils sont invincibles et invincibles, donc voilà, c'est un peu casse-couille ça aussi. Après Black Ops 2 sur PS3, le seul reproche que je peux dire, c'est que ça bug, les connexions sont un peu merdiques, j'ai envie de dire, surtout le ligne. Encore la ligue, ça peut aller, mais le ligne, franchement. Quand je suis allé sur la Xbox et que je suis retourné sur la PS3, je me suis dit putain, c'est quoi cette connexion de chacal. Après, donc sur Xbox, je peux juste vous parler de la communauté Black Ops 2 parce que j'ai pas les autres Call of sur Xbox, mais je vais les acheter justement vu que je vais revendre ma PS3 pour acheter la PS4. Comme ça me fera du fric en plus. Donc Black Ops 2, la communauté Xbox est bien, la connexion est bien. Enfin, la communauté est bien, pas vraiment. En fait, c'est bien, mais il y a beaucoup de campeurs quand même. C'est juste le seul reproche que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de campeurs sur Xbox. Je peux comprendre en même temps, vu que les gens payent leur abonnement, ils jouent un peu leur ratio, ils ne peuvent pas recréer plusieurs comptes, donc c'est ça qui est un peu chiant. Et c'est, je comprends pourquoi ils campent justement, vu qu'ils jouent un peu leur life pour avoir deux ou trois de ratio, donc c'est compréhensible, mais c'est chiant, on va dire. Donc voilà. Donc je voulais parler de ça. On va parler de Ghost aussi. Donc j'ai eu une information, donc bon, je pense que tous les gens connaissent Globox dans mes abonnés, je pense qu'ils le regardent. Apparemment, le compteur de kills est bloqué à 99, ça veut dire que le plus de 100 kills ne serait pas réalisable sur Call of Duty Ghost. Un abonné aussi m'a dit que les quickscopes étaient là tout simplement sur Ghost. On pouvait faire des quickscopes. Donc c'est une bonne nouvelle pour les killfeeders, trickshotters, puis même pour les amateurs du sniper, ça peut être sympa. Donc moi-même je suis content parce que j'aime bien des fois jouer au sniper, tout ça. Donc voilà. Mais c'est surtout une bonne nouvelle pour les killfeeders. Donc voilà. Aussi j'espère que vous appréciez le gameplay pendant que je vous parle là. J'arrête pas de parler. Donc je vais finir sur un... Non, je vous spoil pas. Si vous voulez, j'ai fait beaucoup de kills, mais je suis mort pas mal de fois aussi, donc voilà. Désolé, mais bon, j'avais que ça sous la dent en fait. Donc je vous mets ça, vu que c'est mon dernier gameplay que j'ai en stock, tout simplement. Après, j'ai plus de gameplay. Donc je vous posterai jusqu'à la fin de... Enfin, jusqu'à la sortie de Ghost. Donc vers lundi-mardi. Je vous posterai des lives, donc ça sera soit en live au sniper, soit je tenterai une nucléaire en live, soit ça sera de la ligue en live, soit solo, soit en équipe. Donc voilà. Pareil pour Ghost, donc je pense l'avoir lundi soir, parce que dans ma ville je peux l'avoir à Carrefour ou à Leclerc à 40 euros déjà au lieu de 70 euros, donc 30 euros moins cher quand même, c'est un peu abusé.
Franchement, Micromania, il ferait bien d'aller se rhabiller parce que, franchement, 70... payer 70 € alors qu'à Carrefour il est à 40 €, c'est vraiment du foutage de gueule. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais bon, c'est un peu. C'est du foutage de gueule, tout simplement. Personnellement, ça fait au moins 6 ans que je vais plus à Micromania, tout simplement parce que c'est des gros douilleurs. Après, je fais pas de la mauvaise pub pour eux, mais franchement, voilà quoi. Tous leurs jeux, on les paye 70 € dès qu'ils sortent alors qu'à Carrefour ils sont à 40 €. Enfin, bref, c'est des gros douilleurs. Le sujet est clos. Donc, voilà. Donc, Ghost, je pense l'avoir lundi ou mardi. Donc, comme je l'ai dit, lundi, je pourrais l'avoir à Carrefour ou à Leclerc à 40 €. Donc à partir de 20 h, donc s'ils sont vraiment casse-couilles, il faut que j'aille Carrefour à 20 h. Là, ils cassent les burnes. je vais demander à mes parents si on peut aller à Carrefour à 20 h. Bon, je pense pas qu'ils voudront. Au pire, si je l'ai pas lundi, je l'aurai mardi. Et voilà. Donc je vais parler de ça. Et voilà. Donc on va se laisser, je vais vous laisser en musique. Donc j'ai parlé pendant quand même 5-6 minutes, donc c'est pas trop mal. J'espère que vous aurez apprécié mon commentaire, même si voilà, c'est pas un truc de ouf non plus. Et voilà. Donc je vous laisse en musique, je mettrai les titres des musiques dans la description. Puis je vais vous laisser là. Donc je reviens demain ou après-demain pour un live. Voilà. Donc on se retrouve demain. Donc c'était Blackbird HD, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. I've been looking for a way out.